Brigitte et sa flamme. Tout ceci se passa il y a bien longtemps en Irlande. Il y avait un homme du nom de Dubtache qui acheta Broise, une servante. Triste à dire, à ce temps-là en Irlande, il y avait de l'esclavage. Broise, peu de temps après, était enceinte. Et, un jour, comme elle était sur le chariot de Dubtache, Dubtache qui conduisait son chariot, le chariot vint à passer devant la hutte d'un certain sorcier bien connu dans les parages. Et ce sorcier sortit et annonça à tout le monde: l'enfant qui sera né de cette servante, l'enfant sera comme un soleil parmi les étoiles au ciel. Nul comme cet enfant ne sera connu au monde. Maintenant, un matin, Broise, la servante, alla traire les vaches, comme elle faisait toujours. Et tout comme elle tenait dans sa main un vaisseau rempli de lait, et tout comme elle sortait de l'étable, en mettant un pied par-dessus la porte, le seuil de la porte, l'autre pied de l'autre côté du seuil de la porte, voilà où elle donna naissance à Sainte Brigitte. Les servantes accoururent et elles lavèrent le bébé dans un bain de lait. Cela s'accorde bien avec le mérite de Brigitte, elle qui était si brillante, si pure. Maintenant, un certain jour, Broise, sa mère, laissa la petite Brigitte, le petit bébé, dans un berceau, dans cette petite maison. Et Broise alla traire ses vaches. Les voisins autour de cette maison, peu de temps après, eurent peur, car on voyait des flammes sortir de cette maison. On a apporté des seaux d'eau, on est entré dans la maison. Voilà, la flamme jaillissait de la petite Brigitte. C'était une flamme qui touchait le ciel à la terre au ciel, une flamme. Et tous s'accordèrent pour dire que Brigitte avait un grand pouvoir spirituel. Maintenant, Brigitte grandit en sagesse, en bonté. Elle devint servante, comme sa mère, oui, esclave. Et chaque chose à laquelle sa main portait s'accroissait en valeur. Elle gardait les moutons, elle donnait à manger aux oiseaux, elle nourrissait les pauvres. Oui, Brigitte grandissait.